Bonjour, c'est la troisième vidéo sur le jeûne intermittent ou fasting. Troisième vidéo pour parler de la reprise de poids ou de la perte de poids durant le jeûne intermittent. Parce que, de par mon expérience, j'ai pu m'apercevoir que malgré le jeûne intermittent, j'ai repris 3 kilos. Donc, je me suis demandé comment gérer tout ça. Et j'ai réussi à trouver comment le gérer. J'ai été voir aussi ceux qui pratiquaient le jeûne et mes amis, mes relations ou les gens qui font le jeûne intermittent depuis un petit moment. Il suffit. Je vais vous donner la recette, le protocole à suivre. Si vous avez du poids à perdre, davantage, beaucoup plus vite. Quand vous commencez le jeûne intermittent, il faut rallonger le temps de jeûne. Vous savez que le jeûne intermittent, c'est 16 heures, 8 heures. Or, là, vous pouvez aller jusqu'à 18 heures de jeûne, donc 6 heures pour vous nourrir. Vous pouvez aller jusqu'à 20 heures de jeûne et 4 heures pour vous nourrir. Vous savez que le temps de vous nourrir, le temps qui est imparti, 8 heures ou 6 heures ou 4 heures, pour garder le jeûne intermittent et justement pour se nourrir, vous pouvez manger. Et c'est ça, la qualité du jeûne intermittent, c'est que ce n'est pas un régime. Vous pouvez manger. Manger ce que vous avez l'habitude, manger ce que vous voulez. Hein? Si vous voulez grossir, parce que vous avez trop perdu, c'est ce qui m'est arrivé à moi lorsque je suis revenue de mon voyage en Inde. Je pesais pas beaucoup, 50 kilos. J'avais un petit peu les yeux creux, tout ça. Donc, j'ai décidé de regrossir un petit peu et j'ai maintenu mon jeûne à 16 heures. Parce qu'il ne faut pas aller en dessous, hein. 15 heures, ça ne marche pas. 14 heures, ça ne marche pas. C'est 16 heures. C'est physiologique. OK? Alors, donc, j'ai maintenu mon jeûne à 16 heures et 8 heures pour me nourrir. Et du coup, j'ai repris du poids. Juste ce qu'il faut et maintenant je varie entre moi c'est 18 et 6 heures parce que je n'y arrive pas trop sur 20 et 4 heures, je n'y arrive pas trop, je suis gourmande, j'ai envie et sûrement besoin de manger. Voilà. Donc ça, c'était pour les expériences, ma propre expérience, les expériences des personnes, les retours que j'ai. C'était pour vous donner des conseils dans le parcours que vous avez décidé de faire du jeûne intermittent. Je rappelle, ce n'est pas un régime, c'est simplement jeûner pendant un certain nombre de temps. Si vous voulez en savoir plus, si vous prenez cette vidéo numéro 3, celle-ci, allez voir la première. Elle a été faite il y a un an lorsque j'ai découvert le jeûne intermittent et que j'ai commencé à l'appliquer. Et j'en ai fait une autre lorsque je suis revenue de mon voyage en Inde il y a quelques mois, il y a moins de 4 mois, et que j'avais perdu 14 kilos. Voilà, je suis très contente. Donc, j'espère que vous aussi, vous êtes ravis de cette méthode, de ce protocole et non pas un régime. Je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. Je ne fais pas des vidéos tous les jours. Donc, si vous voulez être prévenu des vidéos que je mets de temps en temps, si vous êtes abonné, vous serez prévenu. Voilà, au revoir, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.